Situé à l'entrée nord du canal du Mozambique, l'archipel des Comores a été classé parmi les 34 hauts lieux de la biodiversité mondiale. Moélie est, avec ses 290 km², la plus petite et la moins développée des quatre îles du croissant de la Lune. Du fait de son origine volcanique, de son isolement géographique et de la nature de son climat et de son relief, l'île est dotée d'une richesse biologique unique et fragile. Bordée de récifs coralliens et de petits îlots inhabités, Moélie est considérée comme un véritable sanctuaire pour de nombreuses espèces, dont certaines sont aujourd'hui menacées de disparition à l'échelle mondiale. Les rivières prennent naissance dans la forêt primaire de Moélie. Elles nourrissent les lagunes et les mangroves côtières. La forêt originelle, qui culmine à 800 mètres d'altitude, est le refuge d'importantes espèces végétales et animales endémiques. À la croisée de plusieurs mondes, l'île s'est enrichie d'influences culturelles africaines, arabes et malgaches. Cultivant l'art de l'agroforesterie, de l'élevage et de la pêche traditionnelle, les Moéliens vivent et dépendent essentiellement des ressources de leur île. Malgré une nature encore préservée, l'île n'échappe pas aux menaces pesant sur l'environnement. Elle est aussi confrontée à la perte de biodiversité et aux changements climatiques mondiaux qui engendrent une forte pression sur les zones côtières. Les Moéliens doivent également faire face à une poussée démographique qui pèse lourdement sur la conservation des forêts et du littoral, garant de l'équilibre écologique des écosystèmes et de la préservation des ressources naturelles de l'île. La prise de conscience par les Moéliens eux-mêmes de la fragilité de leur cadre de vie et la réflexion qui s'en est suivie a permis au parc marin de Moélie de voir le jour. Impliquant fortement les communautés, il est co-géré par les associations villageoises comme celle d'Itsamia. L'association a pour mission d'harmoniser le développement social et économique du village avec les contraintes liées à la conservation des espèces et de leurs habitats. En 2002, le parc marin de Moélie est lauréat du prix Initiative Équateur au sommet mondial de Johannesburg. Cette récompense offre au premier parc marin des Comores une véritable reconnaissance internationale. Les enjeux environnementaux auxquels doivent faire face les Moéliens les ont encouragés à se tourner vers des expertises régionales. Ensemble, les éco-gardes du parc marin et les scientifiques de Kélonia participent au suivi des populations de tortues et de leur habitat depuis 1998. Les connaissances scientifiques issues de ces programmes, associées aux études sur l'état de santé des plages et des herbiers marins,
apporte au gestionnaire moélien les informations nécessaires à la conservation et à la valorisation de ce site unique. Baguette. Plus de 6000 tortues ont été baguées dans ce laboratoire à ciel ouvert. Et une croissance moyenne de plus de 20% est observée depuis 2000 sur ce plus important site de ponte habité de l'océan Indien, où hommes et tortues vivent en parfaite harmonie. À proximité des villages, les pâturages marins offrent aux tortues vertes et aux dugongs un habitat idéal à leur croissance et leur reproduction. Jumelées depuis 2000, les associations d'Itsamia et de Saint-Leu ont pu démontrer par leurs échanges les bienfaits de la protection des populations de tortues sur l'écosystème et entrouvrir la porte du développement grâce à l'écotourisme. Si l'endroit où il y a beaucoup de tortues, ça attire beaucoup de poissons. Avec le bébé tortue, s'il descend la mer, il y a tous les poissons carnassiers. Ils viennent tout près de côte pour qu'ils bouffent le bébé tortue. C'est pourquoi l'endroit où il y a beaucoup de tortues, toujours il y a beaucoup de poissons. Les pêcheurs, au lieu d'aller très loin pour aller chercher des poissons, ils allaient tout juste près du côte là et puis ils pêchent beaucoup de poissons. Et puis s'il y a encore beaucoup de tortues à Moëlie, ça attire beaucoup de touristes qui viennent à Moëlie. Ça c'est très bon ça, c'est très bien. Pour les habitants d'Itsamia, la tortue, c'est l'élu, c'est le député local, étant donné que c'est lui, grâce à la tortue, il y a plusieurs causes d'Itsamia qui sont entendues au niveau national et au niveau de l'international. Donc le vieux d'Itsamia qui a dénommé, disons, la tortue, madame la députée, maintenant on voit qu'il avait raison de le dire. Et là, on pense que Itsamia aura un avenir meilleur avec la tortue marine. Les gens d'Itsamia y croient. Cette symbiose entre l'homme et la nature à Itsamia fait désormais office d'exemple sur l'île et l'archipel tout entier. Bien qu'encore modeste aujourd'hui, les retombées de cette gestion efficace et durable s'observent au quotidien. Conscients de la fragilité des richesses naturelles de Moélie, les habitants du parc marin doivent maintenant promouvoir cette harmonie à l'échelle de l'île, et ce, à travers un modèle de développement qui leur est propre. En conciliant une gestion pérenne des ressources et un épanouissement économique lié à un écotourisme émergent, Moélie peut prétendre au classement en réserve de biosphère du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce label est reconnu à l'échelle mondiale pour ses objectifs de préservation de la biodiversité et d'amélioration des conditions sociales, économiques et culturelles, conditions essentielles à la création d'un mode de développement durable original. À l'instar d'un bébé tortue qui retourne 20 ans plus tard sur son lieu de naissance pour assurer la survie de son espèce, l'homme doit aujourd'hui se donner les moyens de conserver son environnement pour les générations futures.